Il y a 5 ans, à Noël, ma mère est morte sur cette île. L'hiver était très doux cette année-là. Le lac n'avait même pas gelé. Comme chaque année, mon grand-père nous demandait de résoudre les énigmes qu'il avait inventées. Ma mère n'aimait pas jouer à ça. La veille de Noël, elle est sortie se promener. On l'a retrouvée noyée le lendemain matin. Ce qui s'est passé reste un mystère. C'est la dernière fois que nous avons fêté Noël en famille. La campagne, ça bousille ton look. Difficile d'être à la mode quand on vit ici. Oh zut, il faut que je m'adapte. Tu veux pas m'aider à porter les courses? Mais si. À ton service. Merci, c'est beaucoup plus léger grâce à toi. Il fera meilleur à l'intérieur. Ouais. Des factures et encore des factures. Oh, c'est quoi ça? Une jolie enveloppe. Oh. Je l'ouvre, ça t'ennuie pas? Non, vas-y, te gêne pas. Oh, ça vient de Paris. C'est de Raymond Laforêt. C'est mon grand-père. Il sera là pour Noël. Et il invite toute la famille à venir, ça. Alors j'ai du pain sur la planche. Mais pourquoi il vient? Pour fêter Noël, tiens. Non, d'accord, mais ça fait 5 ans qu'il n'est pas revenu ici. Crois-moi, il a une petite idée derrière la tête. Papa, je ne viendrai pas si je ne sais pas qui est invité. Non, je n'aime pas les surprises. D'ailleurs, tu le sais très bien. Attends une seconde. Ça y est, j'ai encore la migraine. Je veux une réponse. Est-ce qu'elle sera là? Dis-le-moi. Nous sommes invités à Shadow Island pour fêter Noël. Natacha, je t'ai déjà dit de ne pas t'habiller comme ça au bureau. C'est grand-père qui a envoyé l'invitation. Il compte venir? Il veut que toute la famille se réunisse. Qu'est-ce que tu fais de Margaret? Tu ne peux pas y aller. Je suis invitée. Si elle veut pas me voir, qu'elle reste chez elle. Il est hors de question que je fasse encore l'arbitre entre vous deux. Mais tu n'auras pas à le faire. T'es de mon côté, n'oublie pas. J'ai envie d'y aller, papa. Grand-père fait toujours de jolis cadeaux à Noël. Je me demande si Yann va venir. Serre-moi du champagne. Vous devez les prendre avec de l'eau. Quelle importance maintenant. Champagne. Vous êtes sûr que votre plan va marcher? Il le faut. C'est ma dernière chance. Amie Monica? Bien sûr, bonjour. Bonjour. J'espère que tu es prête pour les jeux de la famille Laforêt. Mon cher père en avait inventé un très sophistiqué à l'occasion de mon 15e anniversaire. Je savais que pour avoir mon cadeau, je devais trouver la clé de l'énigme. Je n'ai pas réussi, tout ça parce que je déteste les gâteaux d'anniversaire et que lundi, c'était sur le glaçage. Oh! Eh oui, c'est la vie. Vous avez quand même eu le cadeau, je suppose? Bien sûr que non. Oh. Finalement, le gâteau était bon. Toutes les familles jouent à des jeux. Les nôtres sont plus... Plus cruels.
plus dans le genre théâtral. Est-ce que je te sers un petit café? Avec un peu de bourbon, c'est pas de refus. Bah quoi, un peu de bourbon en période de fête? Ok. Sur le buffet, sers-toi. Je vais me refaire une beauté. Tu devrais peut-être pas trop boire avant l'arrivée de grand-père. J'ai toujours trouvé mon père beaucoup plus supportable après une petite goutte d'alcool fort. Bon, je te laisse, j'ai des choses à faire. Je suis contente que tu sois là. Je vais aller m'allonger un peu, réveille-moi pour la nouvelle année. C'est pas donné ces trucs-là. Faut que ça en jette avec grand-père. Tante Margaret, tu devrais aller t'asseoir, hein? Monica va te servir autre chose de moins alcoolisé. Au fait, Margaret, comment va votre mari? Non, je doute qu'elle ait envie de parler d'oncle Dirk. Ça fait 6 mois que je l'ai fichu dehors, cet idiot. Il était très Dirk, mon Dirk. Il couchait avec ma propre nièce. Non, tu le crois, ça? Elle sera pas là, hein, Claire? Tu confirmes? Papa me l'a promis. J'en sais rien du tout. Et Stuart, tu sais s'il compte venir? Oui, il va venir, je pense. Fais gaffe. Mon frère a toujours quelque chose d'inutile à vendre. Il ne faut jamais croire ce que Stuart raconte. Tiens, reprends un café. Je te débarrasse. Voilà. Tu l'as retrouvé, c'est pas vrai. Il y a des années que je ne l'ai pas vu. Ah, oui. Non, tante Margaret, j'aimerais bien le garder. J'ai perdu le deuxième, c'est le seul qui me reste. Non, c'est vrai. Je savais pas qu'il y en avait deux. Oui, et on risque d'avoir besoin de petites cuillères aussi. Voilà. Claire vous a dit que Yann venait? Yann? Oh, alors ça, c'est fantastique. Ce garçon a un potentiel énorme. Dommage qu'il perde son temps avec des gars, c'est pas vrai? Monica a eu une histoire avec Yann. Oh. Dans ta vie depuis qu'on s'est pas vu. J'ai rien à raconter. Hein, quoi? Il a bien dû t'arriver quelque chose en 3 ans. Non. Et toi, comment se passe ta nouvelle vie? Ah, je gère le gîte à la place de grand-père. Il y a un tas de touristes l'été. L'hiver, il y a les fans de motoneige, mais il y a plus personne depuis quelques jours. Tu te caches ici? Excuse-moi, c'est pas moi qui ai disparu depuis des années. C'est toi, petit frère. Cette année, on va bien s'amuser. Pour rattraper un certain Noël? Désolé. T'as le temps d'écrire? J'essaie, oui. Des romans à énigmes? Ouais. Si grand-père organise des jeux, je te veux dans mon équipe. On y est. Les chalets ont toujours été verts? Ah, non, je les ai repeints. C'est joli, j'aime bien.
Merci. Tu te souviens le jour où on a repeint un chalet en orange? Ah oui. Maman était dans une colère. Elle a jamais été une femme heureuse. Quand je pense que ça fait déjà 5 ans. J'ai pas très envie d'y penser. Sache que Monica est là. Elle était venue m'aider. J'espère que c'est pas un problème. Non, non, pas pour moi. Bon, tu veux toujours pas me raconter ce que t'as fait ces dernières années? Non. Je sais que tu adores les mystères. Tu m'as manqué. Je suis là. À part grand-père et tante Margaret, qu'est-ce qui vient? Oncle Stuart. Oh, la poisse. Et la miss Natacha? Vaut mieux pas qu'elle vienne. Ah, elle est sortie avec oncle Dirk. Comment t'as su ça? Tante Margaret m'a raconté dans des lettres. Oh, t'imagines avec oncle Dirk? Elle a rien dans la tête. Oh, ça me dégoûte rien que d'y penser. Grosse bêtise. C'est sûr. Qu'est-ce qui vous fait rire? On s'embrasse ou quoi? Je vais y aller, moi j'ai une tonne de choses à faire. Bon, à tout à l'heure. Je reste un moment, j'aide Diane à défaire ses bagages. Bien sûr. Tu as bien reçu tout ce que je t'ai envoyé. Oui, et je suis heureuse que tu sois là. Je te présente mon assistant, Sergio. Ah. Oh. Enchanté. Je suis l'aide médicale de Monsieur Laforêt. Ravi de vous connaître. Oh, mais tout le monde a l'air ravi dans cette maison. Papa. T'as une mine superbe. Menteuse, je sais que j'ai une mine affreuse. Yann, quel plaisir que tu aies pu te joindre à nous, simple mortel. Ah, est-ce que tu te souviens de mon amie Monica? Ravie de vous revoir. Je me souviens bien de vous. Vous étiez un peu plus enrobée, non? Mais j'ai pas vu Stuart. Aucune importance. Il ne va pas tarder l'odeur des pépettes. Je vous présente mon assistant, Sergio Bonici. Je l'ai débauché de chez l'un de mes associés à Venise. Puis je l'ai fait venir travailler pour moi à Paris. Je lui ai demandé de s'assurer que tout fonctionne correctement. Je veux que le jeu que j'ai organisé puisse commencer à 20h précises. Sergio, tu m'accompagnes à ma chambre. Franchement, je me demande ce que je fais là. Un verre s'impose. Enrobé ? Ça lui fait quel âge ? Vieux. Mais il est vieux. Toi, t'as pas pris une ride. Tu veux un café, Yann? Je te l'apporte. Un bourbon pour moi. Vous seriez mieux dans la grande salle? Bonjour, oncle Stuart. L'assistant de notre père est en train d'installer la séance de torture de ce soir et c'est top ce truc. Ah oui, tu parles. Joyeux Noël, Yann. Joyeux Noël. Tu as l'air en forme, Maggie. Merci, Stuart. Je fais de mon mieux avec mes moyens qui, grâce à toi, se sont réduits à peau de chagrin. Laisse-moi m'asseoir avant de lancer les hostilités. Je n'ai aucune envie de commencer les hostilités. Si t'es venu tout seul, moi, ça me va. Sauf que je ne suis pas seul. Elle a osé. Bonjour tout le monde, joyeux Noël. Un problème? Natacha, tu es là toi aussi? Il reste dans sa chambre. Il fait une sieste. Le voyage l'a beaucoup fatigué. Je m'en doute. Alors, vous êtes écrivain.
Oui, du moins, j'essaie. Si j'ai du talent, c'est pas à moi de le dire. En même temps, vous l'avez pas dit. Bref, passons. Et qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre, grand-père ? Eh bien, juste que vous gériez le gîte pour lui, que vous vivez seul, que vous avez du caractère. Dois-je en déduire que je suis têtue ? Il l'a dit comme un compliment. Il m'a dit aussi que votre mère était morte il y a 5 ans, que c'était à Noël. Je suis désolé. Il vous a dit plein de choses ? Oui. Y compris le fait que vous êtes jolie fille. Ah. Oh. Si je peux rendre le séjour de grand-père encore plus agréable, dites-le-moi surtout. Je ne voudrais pas qu'il regrette d'être venu. Mais monsieur Laforêt n'a jamais le moindre regret. Lâche-moi un peu. Je ne veux pas te parler, même pas te regarder. Eh bien, le fais pas. Regarde ailleurs, par la fenêtre. Stuart, fais-la sortir. T'as un sacré culot de venir te pavaner ici en ma présence. Je fais partie de la famille, j'ai le droit autant que toi d'être ici. Je sais où elle est ta place, nulle part. Papa voulait la voir, Maggie. M'appelle pas Maggie, on n'est pas des potes. Ta fille adorée a détruit mon mariage. Reste à toi, il battait déjà de l'aile avant que j'arrive. Hypocrite. Ça suffit, tante Margaret. Natacha. Claire, s'il te plaît, reste en dehors de cette histoire. J'ai été invitée. Tu mens comme tu respires. Papa m'a promis qu'il ne t'inviterait pas. Sauf qu'il l'a fait. Ça va aller ? Je crois. Allez. Je vous propose de porter un toast à nous et au plaisir d'être réunis pour ces fêtes de Noël. Si je comprends bien, tu ne comptes pas partager ton champagne avec nous. Tu ne voudrais pas priver ton vieux père d'un des seuls plaisirs qui lui reste. Ne me tente pas. Arrête un peu, sois gentille. Nous sommes une famille, nous avons tous le droit d'être là. Concernant les réjouissances de ce soir, l'énigme que je vais vous soumettre est très particulière. Et je lui ai donné le nom d'énigme commémorative dédiée à Jean Laforêt, en souvenir de ma fille bien-aimée. Le cœur de l'énigme, c'est maman ? Nous lui rendrons hommage de cette façon. Sauf que Jean détestait tes petits jeux. On peut toujours tenter l'expérience. J'apprécie ton soutien, Stuart, mais ne compte pas sur mon argent pour investir dans l'une de tes nouvelles sociétés. Je ne joue pas. Oh, mais si, tout le monde doit participer. Parce que c'est le dernier Noël que nous allons passer tous ensemble. Voyez-vous, je vais bientôt rendre l'âme. Sergio, explique. C'est un cancer, stade 4, inopérable. Pour Monsieur Laforêt, le temps est compté. Faites-moi grâce de vos fausses mines attristées. Vous ai-je dit que le gagnant remporterait une somme d'argent colossale ? Trouvez la clé de l'énigme, c'est tout ce que je vous demande. Sergio a pour instruction de rétribuer le gagnant sur le champ et sans poser de questions. Quant au perdant, je les rayerai de mon testament. J'étais sûr que ça ferait son petit effet. Ce jeu n'est pas comme les autres. Il est unique. En hommage à ma fille. Je lève mon verre à toi, Jean. Mais c'est pas juste. Claire est la meilleure. Tout le monde sait qu'elle va gagner. Est-ce que tu vas la faire taire, cette peste ? Concentre-toi sur le jeu, Margaret, ça vaut mieux. C'est vrai que Claire est une experte en matière d'énigmes. C'est pourquoi elle ne participera pas la première heure. Elle ne commencera à jouer qu'à 21h. Vous êtes prêts ? Comment ça t'hésites, Stuart ? Cet argent t'en remettrait à flot. Tes fonds de placement ont chuté de 37% l'année dernière. Dis-moi, Natacha, elles doivent coûter une petite fortune, tes robes de créateur. Et toi, Margaret ? Bon, je sais que t'es en pétard contre moi, mais ça fait 6 mois que Dirk est parti. Les factures doivent commencer à s'accumuler. Yann, ça te tente ? Tu veux jouer ? Ton argent, je m'en fiche. Quelle noblesse d'esprit ! Tu joues ou pas ? Ah !
sur le sapin de Noël, il y a des cadeaux pour chacun d'entre vous. Allez-y, servez-vous. Sauf Claire. Natacha. Tiens. Merci. Qu'on regarde ensemble le déroulement du jeu, si vous voulez bien. Oui, d'accord. Je suis désolé. J'aurais pas dû emmener Natacha. Si tu as vraiment des remords, partez. C'est trop tard, et tu le sais. Dépêchez-vous un peu, le jeu ne va pas se faire tout seul. Ouvrez votre cadeau. Ça s'appelle une clochette. Elle sonne pas. Oh. Dessus, il y a des titres de chants de Noël. Ce sont les chants de Noël que Jean aimait. Et c'est aussi un indice. Cet jour, tu vas me raccompagner à ma chambre. Je vous laisse. Gardez bien les yeux grands ouverts et les oreilles également. C'est tout ce que je peux vous dire. Bonne chance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? À mon avis, il faut suivre la musique. Sauf qu'elle arrive de tous les côtés. Il y a plusieurs haut-parleurs. Il ne rend jamais les choses faciles. Faut que t'arrêtes de faire de la provocation. C'est à elle que tu dois dire ça. Je suis arrivée avec un grand sourire. Tu as eu une aventure avec son mari. Et c'est à lui que tu devrais en vouloir. Il n'a fait que profiter de moi. Dans cette histoire, vous êtes tous les deux responsables. Mais c'est du passé. Va donc présenter tes excuses à ta tante. Elle en a rien à faire de mes excuses. Je suis son ennemie. Allez, faudrait peut-être tenter de résoudre cette stupide énigme. On a peu de chance. C'est pas juste que Claire joue. Ça t'énerve pas, ça, papa ? Je n'attends rien de mon père, contrairement à toi. Et de ce côté-là, il ne me déçoit pas. Allez, va te réconcilier avec Margaret. Je vais parler avec Sergio. Le lien avec l'énigme. Claire dit que pour résoudre une énigme, on doit l'analyser. Clochette ? Tintement ? Les cloches d'église, les cloches de l'enfer. Quel beau visage. Tu vas pas parler d'autre chose ? Je connais bien ce petit sourire, cet air ravageur et sexy. Yann, on doit résoudre une énigme.
C'est vraiment la fin? Ses médecins lui déconseillaient de partir, mais votre grand-père est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Je dirais même qu'il est têtu. Il a donc décidé de distribuer son argent. Et alors, vous n'êtes pas intéressé? Il est clair que j'en aurai l'utilité. J'ai été chargé par votre grand-père de remettre une grosse somme d'argent à celui qui trouvera la clé de l'énigme. Le gagnant n'aura aucune obligation de montrer son visage. C'est simple et sans équivoque possible. Non, je vous assure que rien de ce qu'il dit n'est simple et sans équivoque. Et quand il dit que vous êtes très belle? Ah oui, va falloir arrêter de me dire ça. Enfin, pas tout de suite, mais bientôt. Très bien, Claire. Excusez-moi. Monsieur Laforêt veut nous voir tous les deux. Faut qu'on y aille. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Oui, c'est le cas, en effet. Ils m'en veulent, j'en suis sûr, d'être obligé de participer. C'est surtout Margaret qui n'est pas contente que tu aies invité Natacha et que tu lui aies menti. Il fallait que tout le monde soit là. S'ils sont fâchés, c'est pas grave. Ils veulent tous ma mort. Non, pourquoi tu dis ça? Tu le penses vraiment? La famille, c'est un peu comme une énigme. En cherchant bien, on arrive à la décoder. Excusez-moi. Je m'occupe de lui, allez-y. Il a besoin de se reposer. Ça va mieux? Il a dû mettre des câbles électriques un peu partout. Et peut-être. On est même sur écoute. Ouais. C'est excitant. On n'est pas censé participer à un jeu. J'estime que c'est ce qu'on fait. Est-ce que tu ne crois pas qu'on devrait d'abord parler de certaines choses? Non, c'est pas du tout indispensable. Vous n'auriez pas vu Sergio? J'ai besoin de son aide. Non, on n'a pas vu Sergio. On ferait mieux de changer de pièce. Après toi, Yann. Je te laisse quelques minutes. Tu permets? Bien sûr. Tu comptes le dépenser comment, cet argent? Qui te dit que je vais gagner? Arrête. Je dois me répandre en excuses parce que je gagne souvent. En fait, c'est plus fort que toi. Il faut que tu montres à quel point t'es intelligente. Pourquoi tu dis ça, Yann? Parce que c'est vrai. T'es plus intelligente que nous. Tu contrôles tout, tu planifies tout. Et alors quoi? C'est mal? C'est ça? Le fait d'être organisé, c'est répréhensible? Sache que je vis sur cette île pratiquement comme une recluse. Côté vie privée, c'est le désert. Je sais toujours pas si je suis un bon auteur, mais je persévère. Je suis loin d'être aussi sûre de moi que tu le penses. Mais t'aimes bien être le chef. Pas du tout. Et si c'est le cas, franchement, où est le problème, hein? Tu fais équipe avec nous? Il manque un truc, t'es d'accord? Faut te demander pourquoi. C'était une belle femme, ta mère, hein? Oui, elle était très jolie.
Sinon, tu veux jouer? Hmm? C'est l'heure pour toi. Tu dois ouvrir ta boîte. Encore une clochette sans son battant. Tout va bien? Oui. Oui, ça va. Si tu veux, je vais chercher avec vous. Ah, t'es génial. Pour commencer, tiens, on va éteindre tous les haut-parleurs. Et d'un. On va résoudre l'énigme ensemble et pour l'argent, on partagera. Alors plus de disputes, tout le monde va gagner. D'accord? Quel son émet une clochette sans battant? Elle émet aucun son. Exact. Et qui a-t-il décrit sur vos clochettes? Des chants de Noël. On a donc, sur des clochettes muettes, des chants de Noël. Ça veut dire quoi? Qu'il faut rendre muets les chants de Noël. Vous saisissez? L'absence de battant est un indice. Je pense que pour trouver le prochain indice, il faut faire le silence. J'ai une mauvaise nouvelle. Monsieur Laforêt est décédé. Cardiaque. Je l'ai vu il y a à peine une demi-heure. Vous auriez dû nous appeler. Je n'ai pas eu le temps. Quand ça s'est passé, j'étais en train de le soigner. Il est mort. On peut douter de votre efficacité. Ah. Je vais rester ici. Je veux pas le voir mort. Monica, est-ce que tu peux raccompagner Margaret et rester auprès d'elle? Bien sûr. Venez. Merci. Je veux pas le voir mort, moi non plus. Rentre avec elle, Natacha, je ne serai pas long. C'est bon, on y va? Au cœur de Jésus, ayez pitié du défunt. Faire venir une ambulance. Je m'en charge. Oncle Stuart, tu devrais aller réconforter Natacha et Margaret, d'accord? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est dingue quand on y pense. On a vite fait de quitter cette terre. Il était très affaibli. Il prenait des antidouleurs, de la chimio par voie orale, des pilules pour le cœur. Il voulait pas arrêter de boire. C'est pas surprenant. Je retourne au grand chalet. Je vais appeler une ambulance. Ah oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Claire, quoi? Reposez-vous quelques minutes. D'accord. Margaret, je voulais que tu saches que j'ai beaucoup de regrets. Parce que mon père est mort avant que t'aies pu mettre la main sur son fric. J'aimerais te faire mes excuses pour oncle Dirk. C'est ridicule de la part de sa maîtresse de l'appeler oncle. Moi aussi, il m'a jeté, tu sais. C'est gentil de me le dire, je me sens beaucoup mieux. Je ne veux plus discuter avec toi.
Déjà que j'ai une migraine d'enfer. Si tu ne buvais pas autant. Et toi, si tu n'avais pas perdu tout mon argent à la bourse, hein? Si ta fille ne choisissait pas ses mecs comme on choisit une paire de chaussettes. Sache qu'il n'y a pas qu'à toi qu'il arrive des malheurs, Margaret. Essaie de relativiser. Notre père vient de mourir. J'ai suivi tes conseils, j'ai essayé d'être gentil, mais elle n'en vaut pas la peine, tu sais. Dirk me l'avait bien dit qu'elle était odieuse. Rien d'étonnant qu'il ait voulu divorcer. Tonton, tais-toi. Ça va? Ouais. Ton grand-père avait l'air sympathique. Non, Monica. C'était pas le cas. Je suis désolée. Ça va aller. Allez. Je m'en occupe. Allô? Oui, une personne est décédée au gîte de Shadow Island. Il y a 3 quarts d'heure environ. Vous pouvez nous envoyer une ambulance et un médecin aussi, peut-être. Oui, ils peuvent traverser le lac gelé. Non, pas du tout. Je travaillais pour le défunt. Dans combien de temps? Faites au mieux, merci. D'accord. Ça risque de prendre du temps. C'est les vacances. Merci, Sergio. De rien. Il est minuit. Bon Noël, malgré tout. Je voudrais pas vous taper sur les nerfs, mais... Il se passe quoi pour l'argent ? Natacha, on doit revenir au testament initial, je suppose. Non. Les règles restent inchangées. Si personne ne résout cette énigme, alors l'argent n'ira à personne. Enfin, si, l'ensemble des biens ira à la Fondation La Forêt. Bon, mais si on décide de se remettre à jouer ? Personne n'a envie de continuer, la partie est finie. Pas officiellement. Monsieur Laforêt n'est pas encore légalement décédé. C'est à vous de choisir. J'ai cet argent. Et à mon avis, Monsieur Laforêt aurait souhaité que son énigme soit résolue. L'ambulance ne sera pas là avant plusieurs heures. Je vous laisse décider. Je suis pour jouer. Papa, tu me suis ? Si elle joue, moi aussi, y a pas de raison. C'est n'importe quoi. Cet argent ne va pas me passer sous le nez pour aller dans sa poche. Claire, ma chérie, sois gentille, aide-moi. Non, j'ai pas l'intention de jouer. Claire a dit qu'en faisant le silence, on trouverait le prochain indice. C'est bien ça. Il nous pousse à jouer même dans la tombe. Il avait tout prévu. C'est dans celui-là ? Hé, hey, rends-le-moi, c'est moi qui l'ai trouvé. Ah, tu vois ce que ça fait quand quelqu'un te pique ce qui est à toi ? Arrêtez ! Ça suffit, on est en deuil, alors un peu de respect. C'est dingue. Ce n'est qu'un haut-parleur.
T'as trouvé quelque chose? Le collier de maman. Fais voir. Une étoile. Ça doit être la prochaine étape. Des étoiles, j'en vois partout. Tu ne joues pas? Oh non, ces petits jeux-là sont sans pitié dans ma famille. C'est trop cruel pour moi. Ouais. J'aurais pas dû venir. Yann, tu as bien fait de venir, au contraire. On serait pas mieux ailleurs. Tiens. Je suis à la recherche d'étoiles. Ah, bien. Il y en a très peu ce soir. Le ciel est trop nuageux. Je sais que c'est la piste à suivre. J'ai découvert ça toute seule. Vous savez, si ça fait partie de l'énigme, je n'ai pas le droit de vous aider. Mais vous le pourriez si vous le vouliez. Et si vous le faites, je vous en serai très reconnaissante. Continuez à jouer, ce n'est peut-être pas utile. Vous devez savoir plein de choses. Oui, ma jolie. Je sais beaucoup de choses. Je sais que depuis des années, vous sollicitez votre grand-père pour de l'argent. Je sais que vivre au crochet de votre père ne vous suffit pas, que vous avez couché avec votre oncle pour des raisons financières et que ça a détruit son mariage. Et ça, ça ne risque pas de vous aider. Ah, les femmes... Terminé, je joue plus. Il peut plus m'obliger. Il est mort. Je joue plus. Sergio? J'envoyais un message à Paris. Tout le monde à la Fondation est choqué par la mort de votre grand-père. Comment se fait-il que mon grand-père était en possession de ce collier? C'est à vous de trouver. Ça fait partie de l'énigme, non? Je suis sûre que vous savez. J'ai mis des choses là où mon patron m'a demandé de les mettre. Les indices, la musique, je ne sais rien de plus. J'obéis aux ordres. J'ai du mal à saisir où mon grand-père voulait en venir. Il ne voulait donner son argent qu'à celui qu'il mérite. Il n'y a pas que ça. Je retourne dans sa chambre. Il n'y a pas d'étoile ici. Thank you.
faut arrêter le jeu avant que les choses n'aillent trop loin. Avoir entendu du bruit. Rentrons, j'ai des choses à vous dire. Lisez ça. Il faut arrêter le jeu avant que les choses n'aillent trop loin. C'est sur notre papier en tête. Vous en aviez connaissance? Non. Vous reconnaissez l'écriture? Vous saviez que mon grand-père avait une arme dans son tiroir? Non. Il n'a apporté aucune arme. Je viens d'en voir une, pourtant. Il avait beaucoup d'accessoires plus vrais que nature pour la préparation de ces jeux. À mon avis, c'en est un. Ma mère mettait ce collier tous les jours, sans exception. Elle le portait le soir où elle s'est noyée. Mais on l'a pas retrouvé. La police était convaincue qu'il était au fond du lac. Sergio, expliquez-moi comment il a refait surface. J'ai été engagé pour prendre soin de Monsieur Laforêt et de ses papiers. Ça s'arrête là. Il y a le jeu également. Oui, c'est vrai. Il y a aussi le jeu. Waouh ! Je suis pas un cadeau de Noël, Yann, alors évite de déchirer l'emballage. Et si ça me plaît à moi ? Alors tu dois ouvrir ton beau cadeau délicatement. Ton tour. Je t'ai manqué. C'est vrai? C'était quand la dernière fille que t'as embrassée? Ça fait longtemps. Désolé. Je jouais les Sherlock Holmes. T'as trouvé quelque chose? Non. Je ne suis pas doué. Mon père est mort et j'essaie encore de lui plaire. Ce n'est qu'un simple jeu, oncle Stuart. Non, c'était plus pour lui. Je dois admettre que j'ai toujours été un peu jaloux de toi. Mon père t'adorait. Il adorait toutes les personnes qui jouaient à ces jeux. Surtout ceux qui en étaient capables. J'étais une déception pour lui. Je peux te poser une question? Pourquoi il a utilisé le collier de maman dans cette énigme? Il pouvait introduire l'indice de l'étoile d'une autre manière. Il voulait qu'on voie le collier. Pourquoi? Tu crois que ça a vraiment une signification? Si c'est le cas, je ne suis pas dans la confidence. Du bruit dehors.
Je vais voir. Aide-moi, Yann, aide-moi. C'est un bon cognac. Quelle trouille! Qu'est-ce que tu fais là? Je réfléchis. Je parie que tu as déjà tout deviné? Non, j'en suis encore loin. Natacha, pourquoi t'as voulu venir? Tu savais que ça énerverait notre tante. Tu peux dire tout le monde. Vous êtes tous de son côté. Je fais partie de la famille autant que vous. Mais ça ne gêne personne qui m'ait traité moi aussi comme une moins que rien. J'ai présenté mes excuses à tante Margaret, elle s'en fiche. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Il reste du champagne de grand-père. Il doit être chaud, à mon avis. Il vaut bien encore 100 dollars le verre. Il avait bon goût en matière de champagne, même si c'était qu'une vieille peau de vache. Natacha! Quand papa lui a écrit qu'il avait besoin d'argent, tu sais ce qu'il a osé lui répondre? Prie le bon Dieu. C'était pas un gentil. C'est toi qui lui as écrit ça? Tu veux m'accuser de quoi, au juste? Elle est tombée. Sers-lui un verre. Je crois pas qu'elle soit blessée. Le champagne, je me le garde. Très sexy. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a poussé de la terrasse. Quoi? Qui ça? Ça s'est passé quand? J'ai perdu la notion du temps. De l'eau, ça va pas, t'as pas autre chose. C'est peut-être la même personne que celle qui a écrit à grand-père. Qu'est-ce qu'elle raconte? Rien. Quelqu'un voulait que le jeu s'arrête. Mais c'est ce que tout le monde voulait. Sauf Claire. J'ai eu de la chance, tu sais, je suis tombée sur un gros tas de neige. T'as surtout eu de la chance d'être anesthésiée par l'alcool. Est-ce que tout va bien? L'atmosphère est irrespirable par ici. Je vais dans ma chambre. Oh, pardon. Évite de me débiner par derrière. Sergio, vous êtes médecin ou un truc dans le genre. Alors venez, elle est tombée de la terrasse. On m'a poussée. Non, tu as trop bu et tu es tombée. On m'a poussée, je te dis, j'étais en train de regarder les étoiles et bam! On va l'emmener dans sa chambre. Non, je crois qu'il faut éviter de la déplacer. Je sais ce que je fais. Pardon. Venez. Excuse-moi, tu dormais? Non, non, vas-y, entre. Je vais avoir un sacré hématome sur mon popotin. C'est Sergio qui t'a dit ça? Il a rien dit du tout, il était parti avant même que je ne pique une tête dans mon lit. J'ai une question, tante Margaret. Est-ce que tu as vu quelque chose avant de tomber de la terrasse? Avant que quelqu'un me pousse, tu veux dire? Non, j'étais en train de regarder en l'air. T'as rien vu du tout? Non. Rien. Ta mère me manque. À moi aussi. Essaie de te reposer un peu, il est tard. C'est à cette période de l'année qu'elle me manque le plus. On avait l'habitude de chamailler, mais c'était un peu la trêve à Noël. Quand on était gamine, papa et maman nous donnaient à chacune un arbre de Noël pour qu'on le décore dans la salle de jeu. Ta mère adorait ça. Elle me l'a jamais dit. T'as
Ta mère n'a jamais réussi à profiter de la vie. Moi, j'étais folle dingue. Et elle, hyper sérieuse. Malheureusement, ça ne l'a pas aidée. Quand elle est sortie dehors ce soir-là, pourquoi elle était autant en colère? Oh, Claire. Ça va t'étonner, mais ta mère était toujours en colère. Contre qui? Moi? Tout le monde? Elle en voulait au monde entier. Allez, repose-toi. Il faut que tu passes des radios. Est-ce que Sergio a appelé une ambulance? Oh, ce n'est pas nécessaire, je vais bien. On annule, d'accord? Allô, bonsoir. Je vous appelle de Shadow Island. On vous a déjà commandé une ambulance il y a une demi-heure. Non, et plutôt que ça, mon grand-père est décédé. On vous a appelé vers 22h? Vous êtes sûr? D'accord, dans ce cas, vous pourriez m'envoyer une ambulance de toute urgence? Merci. Sergio? Que j'ai passé ici, c'était il y a 5 ans. Un Noël idyllique. Il faisait un temps superbe. Le lac n'avait pas encore gelé. Et malheureusement, ma mère est morte. Cette année, c'est mon grand-père. J'aurais pas dû revenir. Yann, arrête, c'est pas ta faute. On se disputait toujours sur le même sujet avec ma mère. Elle disait que je gâchais ma vie. C'était vrai. Moi, je lui disais qu'elle ne faisait que râler. C'était vrai aussi. J'étais injuste envers elle. Elle avait le tort de fouiner dans mes affaires. Ça finissait toujours par la mettre en colère. La dernière fois que c'est arrivé, elle est morte noyée. Je vais aller prendre l'air. Sergio, vous êtes là ? Oncle Stuart, tu sais où est Sergio? Non. Écoute, grand-père n'est plus là. Quoi? Comment ça, il est plus là? Il n'est plus dans sa chambre. Son corps s'est volatilisé. Il a voulu jouer un vilain tour à Dieu. Ce serait bien son genre. Je doute fort que Dieu aime ce genre de plaisanterie. Imagine si les mages avaient suivi un chameau et pas l'étoile de Bethléem.
Un saint. On dirait que t'as pris un coup sur la tête. Entrez. Natacha, qu'est-ce que vous lui avez fait? Claire! 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 Je lui ai rien fait! Elle était comme ça quand je l'ai trouvée! Claire! Réveille-toi. Oh, Natacha, il t'a fait du mal? Qui ça? Sergio. Non. T'as rien? J'ai le tournis. C'est peut-être les effets du champagne. La bouteille de grand-père. Ça m'a complètement assommée. Oh. Hé, tu restes ici et tu te reposes, d'accord? Je reviens dans pas longtemps. Réveillez tout le monde! Tu veux boire un verre? Tu vas me dire non, mais je t'en sers un quand même. Non, mais ça rime à quoi, tout ce cirque, hein? Tu n'as pas encore trouvé la clé de l'énigme? Je suis furieuse contre toi, grand-père. J'en suis conscient. Un petit remontant. S'il te plaît, arrête, Claire, et montre à ton grand-père comme ton cerveau est intelligent. Comment tu as su que j'étais vivant? Natacha s'est servie de ton champagne et elle est tombée dans les vapes. Après en avoir bu, toi aussi, t'étais pas bien. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Un peu de toxine de poisson globe. Elle a un effet paralysant et elle ralentit le rythme cardiaque qui devient imperceptible. Je savais que pour être un cadavre convaincant, il fallait un coup de pouce. Il a une arme. Il travaille pour moi. Je suppose que tu sais qu'il n'est pas médecin. Oui, je m'en doutais. Je l'ai vu à l'œuvre avec Margaret. Je suis détective privé. Qu'est-ce que vous faisiez auprès de Natacha? Je vérifiais qu'elle allait bien. Il avait une preuve à faire disparaître aussi. J'ai fait la bêtise d'oublier la bouteille de champagne dans le salon. Il vous fallait une arme pour ça? Pour le collier de ta mère, c'est Sergio qui a retrouvé sa trace. Je l'ai trouvé en vente sur Internet il y a 2 mois. 5 ans après la mort de ta mère. Il refait surface, c'est curieux, tu ne trouves pas? Une seconde. La police a dit qu'il était tombé dans le lac. J'ai jamais cru que le collier ait pu se détacher tout seul et tomber au fond du lac. T'as rien dit là-dessus à l'époque? T'as des soupçons au sein de la famille? Sergio... J'ai retrouvé le rapport d'autopsie.
Elle avait une grosse blessure derrière la tête. On en a conclu qu'elle avait sans doute glissé dans le bateau et qu'elle était tombée dans le lac. Comment a-t-elle pu se faire une telle blessure derrière la tête et tomber à l'eau ensuite? Des éraflures à la taille en passant par-dessus bord, je veux bien. Visiblement, c'est sur l'arrière de la tête qu'elle a atterri. Cette question t'a jamais effleuré? Il s'agissait de la mort de ma mère, pas d'une énigme à résoudre. Faut que tu prennes les énigmes plus au sérieux, Claire. C'est beaucoup plus qu'un simple jeu, parfois. Plus qu'un jeu? C'est quoi, un piège? Bravo, t'as vu juste. Je vais prendre l'air. Tu ne parles de ça à personne. Je te signale que j'ai rien entendu, puisque t'es mort. Non, c'est fini, je ne vous crois plus. Sur les choses importantes, je n'ai pas menti. Appeler une ambulance, c'est pas une chose importante? C'était inutile, votre grand-père n'était pas mort. Je vous parle de Margaret, Sergio. C'est lui qui n'a pas voulu. Elle avait besoin d'un médecin, d'un vrai médecin. Monsieur Laforêt a jugé que non. Il voyait tout sur la vidéosurveillance. Ah. Et quoi d'autre encore à savoir? S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Je ne peux pas vous en dire davantage, je suis en mission, vous comprenez? Je vous aiderai pas davantage, moi non plus. Si on a tué votre maman, vous ne voulez pas savoir qui? Il va mourir, Claire. Ce n'est pas que dans le jeu. Il m'a dit qu'il ne voulait pas s'en aller sans savoir ce qui est arrivé à sa fille. Il a besoin de résoudre ce mystère. Vous pouvez l'aider. J'ai besoin que tu m'éclaires. Pourquoi faire semblant d'être mort? C'est cruel. Je dois être mort pour que le jeu fonctionne. Je vois toujours pas. Tu comprendras, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails pour l'instant. Oh, tu considères ça comme des détails? Tu as une arme dans ta chambre, non? J'en avais une, mais elle n'y est plus. Qu'est-ce que tu cherches à prouver, au juste? Qu'on a tué ta mère, enfin. Est-ce que t'as des soupçons sur nous tous? Non, pas sur les personnes ici présentes. Sur oncle Stuart? Votre mère avait confié son argent à votre oncle, et il en a perdu une bonne partie. Elle avait commencé à retirer les billes qu'elle avait mises chez lui. J'ai vu la comptabilité de votre oncle. Sergio a fait un très gros travail d'investigation. Et il y a aussi Margaret. Elle s'entendait pas, oui, ça je sais. Il y a aussi le cas de votre frère. Yann est en dehors de tout ça. Claire, tu sais pourquoi on n'avait plus de nouvelles de ton frère depuis 3 ans? Il était en prison. Vol à main armée. Et agression. Je crois pas un mot de tout ça. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'attends de moi? Jette un nouveau coup d'œil à cette figurine de sein. Et fais ce que tu sais faire le mieux, Claire. Résous ce mystère, c'est tout. Je connais pas bien le nom des saints. C'est lequel, celui avec les lys et qui porte l'enfant Jésus? Il est quelle heure? Il fait jour. Et on n'a pas fermé l'œil. C'est qui, d'après toi? Saint-Antoine, le patron des choses perdues et des personnes disparues. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que t'es bien meilleur que tu ne le crois. Grand-père serait fier de toi. Ça veut dire qu'on doit aussi chercher un objet disparu. Qu'est-ce que ça peut être? Je déteste vraiment ce petit jeu. Cette énigme s'intitule « Énigme commémorative dédiée à Jean Laforêt ». Les indices ont tous un lien avec ce qu'elle aimait. Les chants de Noël qu'elle adorait, son collier, la petite crèche. Et quel rapport, la crèche? J'ai trouvé cette statuette au-dessus de la scène de la nativité que maman sortait tous les ans. Dans l'étoile de Noël. Vous saisissez? Pourquoi sa tête est effritée? Maman s'est cognée la tête dans le bateau avant de se noyer. Du moins, c'est ce qu'on pense. C'est la police qui l'a dit. Tu crois que ton grand-père a mis la mort de Jean au centre du jeu? Je crois que... qu'il était convaincu que l'un de nous est responsable. Quelle idée, c'est malsain. Pour découvrir la vérité, il a inventé ce jeu. On était tous présents ce soir-là. Il a menti à tante Margaret pour Natacha parce qu'on devait être tous présents. Qu'est-ce qui nous manque? Un saint qui a pris un coup sur le crâne.
L'arme du crime, certainement. On est censé trouver l'arme du crime, mais personne ne savait que c'était un meurtre. Sauf le meurtrier. Très juste. Donc l'idée est de pousser le meurtrier à sortir l'arme du crime et à en faire l'échange pour empocher le pactole. Non, ça n'a pas de sens. Si, c'en a un. Le meurtrier ne court plus aucun risque maintenant. Grand-père est mort, l'arme peut être donnée discrètement à Sergio. Personne n'en saura rien. Sergio le saura, lui. Il a eu des instructions particulières. Grand-père lui a bien dit qu'il devait remettre le prix sans poser aucune question. Le gagnant n'est même pas obligé de montrer son visage. Dans quel but tout ça? Tu crois que mon père aurait récompensé un meurtrier? Non, oncle Stuart. Il voyait ça autrement. C'était de la reconnaissance pour qu'il passerait aux aveux. Il était mourant. Il voulait savoir, pas pointer un doigt accusateur sur notre famille. Tu penses que c'est l'un d'entre nous qui a tué Jean? Je pense qu'il le pensait. Ceci dit, il avait peut-être tort. Mais s'il avait raison, ça veut dire que l'arme du crime est ici. Et que celui qui la retrouvera remportera un paquet de fric. Employer les grands moyens cette fois-ci. C'est une énigme qui n'est pas facile à résoudre. Il nous reste peu de temps. J'ai appelé une ambulance pour tante Margaret. Je sais. Aucun d'entre eux n'est capable de tuer. Claire, tu ne m'aurais pas aidé si tu ne pensais pas que je pouvais avoir raison. Peut-être qu'il serait préférable de ne pas savoir. Quand la fin est proche, on veut des réponses. De vraies réponses. Regarde. C'est Monica. Monica n'était pas à Shadow Island quand maman est morte. Non, c'est pas Yann. Tu la suis. D'accord. Je vous accompagne. J'ai résolu l'énigme, vous pourriez me féliciter? Alors, j'attends. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est l'arme du crime, non? Comment t'as su où elle était? C'est Yann qui me l'a dit. C'est à toi, ça. Je te le rends. Non, c'est la première fois que je vois cette lettre. C'est sur papier, en tête de Shadow Island. Ce qu'elle cherche se trouve dans le vide sanitaire enveloppé dans un torchon. Va le chercher avec amour. Je t'ai jamais écrit cette lettre. Mais si, tu l'as glissée sous la porte. La porte? Quelle porte? Tu sais quelle porte. Tu savais où j'étais. Pourquoi mettre un mot sous ma propre porte? C'était un service que tu ne pouvais demander qu'à moi. T'as écrit avec amour. Yann, dis la vérité. Est-ce que t'as quelque chose à voir avec la mort de maman? Non. T'as fait de la prison, je le sais.
De la prison? Hein? Pour quelle raison? Tu avais l'intention de me le dire quand? C'est tout ce qui t'inquiète? Tu t'interroges pas sur l'arme du crime? Pour moi, il n'a rien fait. Je pensais juste qu'il savait où elle était. Tu n'as rien fait, hein, c'est sûr. Non! Écoute, c'est vrai que j'ai fait des bêtises, mais j'ai pas tué maman. On s'est frité ce soir-là, comme on le faisait souvent. Elle était en colère, elle est partie, c'est tout ce que je sais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce torchon? J'aimerais bien le garder. J'ai perdu le deuxième, c'est le seul qui me reste. Non, c'est vrai. Je savais pas qu'il y en avait deux. Tante Margaret. J'aurais jamais cru. C'est pour ça qu'elle s'est jetée de la terrasse. Elle a été poussée. Par Natacha. Comment vous le savez? Natacha! Arrêtez de me surveiller. C'est pour ça que je suis allé dans sa chambre, pour l'interroger. C'est là que j'ai vu qu'elle avait été droguée. Sergio, Natacha a été droguée par qui? T'occupe, Yann. Pourquoi vous m'en avez pas parlé? Parce que je ne l'ai pas compris tout de suite. Et sachez que j'ai pas été engagé pour arbitrer vos querelles. On s'occupe de tante Margaret? Il faut qu'on la retrouve. Tante Margaret? Je veux que ça s'arrête. Tes jeux ne sont pas drôles. Arrête, je sais ce que tu cherches. On avait l'habitude de chamailler, mais c'était un peu la trêve à Noël. Quand on était gamines, papa et maman nous donnaient à chacune un arbre de Noël pour qu'on le décore dans la salle de jeu. Ta mère adorait ça. La salle de jeu. J'ai gâché tes fêtes de Noël. Comme d'habitude. Je suis désolée. C'est ma spécialité. Il fait pas chaud ici, hein? Tu viens, on descend, je vais faire un feu de cheminée. Donne-moi ton arme, tante Margaret. C'était un accident. Elle venait d'avoir une prise de bec avec ton frère, et ensuite c'est à moi qu'elle s'en est prise en m'insultant parce que j'avais volé un tout petit chandelier. C'est en voulant le rendre à ta mère que c'est arrivé. J'ai fait un mouvement. Tu l'as frappée? Non, non. Elle est tombée. Sa tête a heurté une pierre. En un instant, elle est morte. J'aurais dû appeler une ambulance, je sais bien, mais j'avais bien trop bu ce soir-là et j'ai pas eu le réflexe. T'as maquillé ça en accident? Et tu lui as volé son collier? C'était celui de notre mère. Il aurait dû être à moi, je sais pas pourquoi elle lui avait donné à elle. Je voulais pas le vendre. Mais il y a eu non seulement Dirk qui m'a quittée, mais aussi Stuart qui a perdu toutes mes petites économies à la bourse. Je sais pas ce que je fais ici. Mais pourquoi je suis encore là? Tante Margaret,
Écoute-moi. Grand-père est toujours en vie. Tu sais, il veut t'aider. Il n'est pas en colère contre toi. Quand j'ai entendu le nom de l'énigme pour la première fois, je me suis dit... Fais gaffe, ma vieille, peut-être que c'est un piège. Alors j'ai écrit un mot à ton grand-père pour lui dire d'arrêter le jeu. Et lorsque j'ai vu le collier, j'ai tout de suite compris. Allez, donne-moi ton arme. On va pas rester planté là, hein? Allez, donne. Celle de papa. Cette arme, je l'ai dégotée juste après qu'on m'ait poussée de la terrasse. Je suis retournée chercher le mot que j'avais laissé à papa, mais... Malheureusement, quelqu'un l'avait déjà pris. Fais pas l'imbécile, donne-le-moi. S'il te plaît. Ça, c'est la meilleure. Je vais même pas pouvoir me suicider. Donne-le-moi. Ça va aller. Je suis là, ça va. Quoi? Je suis avec toi. Maintenant que tu connais la vérité, ça change quelque chose? Oui, bien sûr. C'était un accident. Sergio, va t'assurer qu'on s'occupe bien de Margaret. Merci. La police est là? Oui. Où est tante Margaret? Grand-père? Non, je rêve. Mais on aurait juré que t'étais mort. C'est quoi cette farce? Vous vous doutiez certainement que je vous réserverais quelques surprises. Venez, je vais tout vous expliquer. Ils vont la garder quelques jours en observation et la soumettre à un examen psychiatrique. Une chose est sûre. Fini pour moi les énigmes. Et... je vous remercie d'avoir supporté le vieil homme obsessionnel que je suis. Nous veillerons à ce que Margaret bénéficie des soins dont elle a besoin. Si on portait un toast. À tante Margaret. Elle va avoir besoin de sa famille. On va tout faire pour la soutenir. Bonne fête à tous. Joyeux Noël. Bonne fête.